Et c'est reparti avec le groupe numéro 56, les plastiques de formation qui nous viennent de Polivia, avec Élise, Émilie, Mathis, Madi, Mallory et Loubna. Ils préparent un diplôme d'ingénieur plastique et composite, sont accompagnés par Laetitia Delorme et mis en scène par Yves Tegonek-Tulan. Le titre de leur scénette, Chauffe Pétrole. On peut les encourager. Salut, ça gaze ? Non, pas encore, guys. Si tu ne me chauffes pas, je ne risque pas de gazer. À moins que ce soit toi l'Immaculée Conception. Non, même pas. T'as son 06 ? Et du calme, Paulette. J'ai pas envie de chauffer inutilement. J'ai pas envie de finir avec du gazole à mes pieds. Alors qu'un petit bout de plastique bien placé. T'entends quoi par un petit bout de plastique bien placé ? Lorsque des matières primaires telles que nous montent en température, lorsqu'on nous chauffe, ça se développe pour une multitude de petites. De petites ? De petites expériences chimiques. Eh ben, on n'a pas le cul sorti des ronces avec un gros pareil, hein. Je vais être bonne à servir le carburant volatile, alors que moi, j'aspirais... Tu aspires à quoi ? J'aspirais à être durable, modelable, modelée, douce, lumineuse, colorée. Tu veux être durable, modelable, douce ? Oh, du calme, garçon, hein. J'ai pas dit que je voulais finir entre tes sales petites pattes de pervers, hein. J'ai l'âme d'une artiste, j'ai foi dans le beau. Tu rêves d'être polymère. Et tu serais prêt pour une expérience de polymère, de polymérisation, de... Hey, c'est ici la date pour monomère, recherche de liaison carbone-carbone. Alors toi aussi, je vais monter en température. Ouais, mais t'entends quoi pour me faire chauffer? Oh, du calme, poulette. Hein. Pour le moment, tu fais pas rêver grand monde. Hein. Tu es brute, odorante, visqueuse, sombre... Bah vas-y, crache le morceau, je suis black. Tu me juges parce que je suis black. Mais alors, ma belle, pour commencer, t'es une huile minérale et naturelle, et tes couleurs vont du jaune au noir. Tu es multiple, comme l'humanité. Et être une huile désigne un personnage influent. Carrément qu'on est influente. Indispensable même. Comment sans nous pourrait-on circuler, transporter, ouvrir des portes, téléphoner ou même emballer? Ok, ok, j'ai compris. Mais je vais pas rester qu'un vulgaire bidon de pétrole qui va finir dans le réservoir d'une bagnole ou au mieux dans le réservoir du jet privé de Brad Pitt. J'ai de la dignité, moi, de l'ambition. Je veux des liaisons carbone-carbone pour découvrir le polyamour. D'où ta présence ici, dans cette tour de chauffe infernale. Oh yes, on va s'envoyer en l'air. Eh, hey, du calme, tu ne fais pas rêver grand monde. Là, tu es chaud, tu vas te calmer, mon petit brûleur. Hein. Donc, chauffe, Marcel. Qui sont beaux, qui sont doux, qui sont... Qui sont semblables? Oui, semblables. Monoformes même, strictement monoformes. Identiques et sans aucune singularité. Pas de panique, ma douce. Il faut être patiente avant de devenir une œuvre d'art. Toutes ces petites cellules, ils vont être travaillées pour la cause. De quelle cause tu me causes? Pardon? De quoi tu me causes quand tu me parles de la cause? Parce que le besoin de la cause désigne ce qu'il faut dire, voire de faire, à l'appui de ce que l'on défend. Ici, on cause de plastique. On parle de plastique, on défend la cause du plastique. Indispensable d'ailleurs à nous tous dans ce bas monde. Je suis pas d'accord, que j'ai tout compris, ça en jette. Ouais bah, avant de rejoindre le jet de Brad, j'ai encore du chemin à faire. Hein. Et je suis pas sûre de faire cause commune avec toi, mon gars. Il va falloir qu'on me chauffe, qu'on me presse, qu'on m'associe à d'autres petites molécules, qu'on me bourre dans un moule afin que j'en sorte avec des formes fluides, légères, accueillantes, afin que mon cher petit Brady pose son joli petit fessier dans cet avion que je serai devenue. Hé, Toudou, moi aussi je veux faire partie du voyage. Moi je m'imagine face au pilote, un beau brun avec ses Ray-Ban. Il est concentré, il est en liaison avec la tour de contrôle. Il va conduire Brad à Cannes pour le festival. Et là, il titille avec doigt et délicatesse et douceur une multitude de boutons, de manettes, de leviers, tous fabriqués en polymère, plastique doux, robuste, coloré, indispensable. À son arrivée à l'aéroport de Cannes, il me prendra en main. Il me saisira avec poigne, il m'exhibera. Il me fera rouler sur le tarmac, puis sur la moquette de l'hôtel Majestic.
Il m'emmènera jusqu'à sa suite présidentielle, où il dégrafera mes diverses ouvertures, m'ouvrira, me déploiera et contemplera à quel point je suis confortable et indispensable pour transporter son smoking et ses caleçons. Nous y sommes. Nous voilà arrivés dans quelques minutes avec Brad. Nous allons enfiler nos plus belles parures afin d'être uniques à ses côtés, sur les marches du palais, dans ses robes de soirée saillantes, éblouissantes, envoûtantes, nos jambes galbées par ses barésiles. Le nylon a transfiguré la féminité. Sans le nylon, sans polymérisation, plus de magie, rien de désirable, de... d'indispensable. D'indissociable. De quoi ? Émancipée. Le nylon a contribué à libérer la femme, à l'émanciper. Ouah, c'est donc ça, l'Immaculée Conception, des petits bouts de plastique bien placés. Je vois que ça chauffe dur ici. Et moi, on me laisse telle une vieille chaussette, c'est ça ? Bah toi, à défaut de mettre nos gambettes en valeur, tu vas être le boîtier de ce réflexe, hein, et tu vas nous mettre dans la boîte. Attention mesdames, le petit oiseau va sortir. Et du calme les filles, j'ai pas envie de chauffer inutilement. J'ai pas envie qu'on me démoule trop rapidement avec quelques défauts. T'inquiète, en cas de défaut, direction le recyclage, le broyage. Et retour à la cage chauffage, où on va te associer à d'autres petites molécules. On va vous presser, vous bourrer dans un autre moule, et en ressortir des formes pures. T'inquiète, tu n'es pas perdu. C'est pour ça que je trimais le déchet, moi. Et voilà, il va nous reproposer une cause, ce polymère de base. Encore un qui pense qu'on a attendu des directives gouvernementales pour trier nos molécules. Qui pense qu'il va pouvoir disposer de nous comme ça, sans discuter, sans offre à l'échange. Non mais... Comme nos sœurs en verre ou en carton, même après usage, on a encore des valeurs, hein. Et on pourra encore rencontrer Brad Pitt, hein. Pourquoi on se contente que de Brad ? Il y a George aussi. Moi, Tels ? Non, pas toi, pervers. Nous, on mérite le vrai George Clooney. Nous, on n'a qu'une seule vie. Le plastique en a plusieurs.